Donc ici, c'est une antenne atmosphérique. Voilà. Das ist eine Antenne, atmosphérique Antenne. Atmosphérische Antenne. Là, on a l'élément avec les fils dirigés vers le ciel, un peu pointu, qui va communiquer l'électricité du ciel à la Terre et de la Terre au ciel. Also hier haben wir dann die Drähte, die in Richtung Himmel gehen und das ist dadurch wird die Energie vom Ziel, vom Himmel oder von der Erde empfangen Oui, kommuniziert. en réalité, ça communique donc l'électricité. Donc les électrons vont principalement de la Terre vers le ciel, mais aussi ça arrive qu'il y a l'inverse qui se passe. Also meistens geht es Elektronen von der Erde Richtung Himmel, aber kann auch passieren, Voilà. Et après, là, vous voyez, il y a aussi une tige nord-sud. Et ça agit comme l'antenne magnétique. Also hier oben haben wir so ein anderes Stück Metall extra Richtung Nord-Süd und das wird dann wie eine Magnetantenne wirken. Avec un petit aimant pour être sûr qu'il soit bien magnétisé dans le bon sens. Und dazu kommt dazu ein kleiner Magnet Das noch, Magnet zwischen, okay. sodass es richtig gut in der richtigen Richtung magnetisiert wird. Et donc celui-là, il aura le même effet comme l'antenne magnétique. Und dieses Teil wird dann genau wie eine Magnetantenne wirken. Et donc, cette tige horizontale, elle pourrait être enterrée. Ça fonctionne aussi, elle n'a pas besoin d'être forcément dans le ciel. Es muss nicht sein, dass dieses Teil hier ganz oben ist. Das könnte auch unter Ende sein. Voilà. Justin Christophe Lo, donc le pionnier français au début du siècle, lui, il faisait d'abord des tiges nord-sud sur un poteau et après il a seulement ajouté les pointes. Also Justin Christophe Lo hat damit angefangen, auf diese Stücke, diese Metall Stücke drauf zu machen und erst danach kamen diese extra Drähte drauf. Ouais. Et après, dans l'évolution vers les années 30, il n'a plus utilisé ça et il a fait un système complètement enterré. Und danach hat es sich doch noch entwickelt und im Jahre um 1930 dann wurde alles einfach vergraben und hat das gar nicht mehr so benutzt wie am Anfang. Donc là, pour le côté pratique, pour faire au plus simple, vous pouvez prendre un fer à béton, comme ça, hein, donc un fer utilisé pour la construction. Also hier, um das praktisch anbauen zu können, können wir ganz einfach diese so Metall Material nutzen, das ist für Baumaterial eigentlich. Il y a ce qui coûte le moins cher. Es ist auch das günstigste. Et vous pouvez faire ça allant jusqu'à 3-4 mètres de haut. Und das kann man bis 3 oder 4 Meter Ou même plus haut. Hein. oder noch mehr. Et après, on le plante. Hein. Hop. Voilà. Dann machen wir in der Erde. Donc là, le fer, alors, fait office de conducteur aussi de l'électricité entre le ciel et la terre. Und hier einfach nur ein Stück Metall ist schon Verbindung mit Ouais. Energie, also von zwischen Himmel und Erde. Ja, die elektrische Verbindung. Elektrische Verbindung. Et donc, il n'y aurait même pas besoin de fil alors, parce qu'il y a la tige en métal qui agit déjà comme conducteur. Also dadurch, dass dieses Stück Metall schon da ist, dann wäre nicht nötig, dass es dazu noch ein Draht gibt, Ja. weil dieses Prozess gibt es schon. Mais on peut quand même ajouter si on veut. Aber kann man trotzdem auch machen. Et donc, ça c'est sur le modèle que je fais. J'utilise un connecteur en fonction du diamètre du tube. Je rajoute un tube plus petit où je mets direct. Mais comme celui-là il est un peu plus grand, ben, ça bougerait trop. Alors j'ai fait un connecteur comme ça. Hier und so dass es praktisch ist und dass es sich die Antenne nicht zu viel bewegt, dann nutzt man dieses kleine Stück extra, aber muss nicht unbedingt sein, wenn es schon die passende Größe ist. Et donc j'ai resserré le tube et comme ça, il reste coincé. Hein. Also Il er hat bouge plus. hier dieses Metall so etwas kleiner gemacht, sodass es sich jetzt gar nicht mehr bewegt. Ja.
Parce que comme il y a la tige nord-sud, il faut qu'il reste bien orienté. Das ist wichtig, weil in diesem Fall haben wir dieses Teil, das unbedingt Richtung Nord-Süd bleiben soll. Und wenn es sich dann bewegt, dann es geht es nicht mehr. S'il n'y a pas la tige nord-sud, alors ça n'a pas d'importance, l'orientation. In andere Antenne, wo dieses Metall da oben, diese Antenne nicht ist, dann spielt keine Rolle, wäre nicht so wichtig wie hier. Ouais. Si je veux aller sur le fil de fer, c'est pas bon si je prends du métal, non? Comment? Si? Wenn ich auf den Draht gehen will, dann ist es. Die zwei Verbindungen, oder? Ja, dann ist es ja vielleicht nicht so gut, nehme ich dann Metall, oder? Ja, no, ist gut. Also habe ich dann die elektrische Energie nicht im Boden und nicht auf dem Draht. Qu'est-ce qu'il dit? You know the electricity from the antenna, yeah? Yeah. When I have here an iron post, it goes all down and not on the field of fer. Oh, it will go in the two. Little. Ah. C'est pas problème. Yeah, okay. Ça partage. Okay. Ça va rayonner, une antenne comme ça va déjà rayonner tout autour, environ égal à la hauteur. Rayon environ égal à la hauteur. Eine Antenne wird sich dann eine Wirkung, die Wirkung verbreiten, umherum, so ungefähr breit wie die Höhe. Mais ça, c'est pas, non? Si, aussi, encore plus oui, loin. Mais c'est pas collé. Ah oui, si, si. Ah ouais, je montre après. Donc, là, le fil, on peut l'enterrer, on peut le mettre dans toutes les directions, si on veut, mais si on veut utiliser le côté... l'énergie magnétique, alors là c'est mieux aussi qu'il soit direction nord, yeah. Comme l'antenne magnétique. Hier könnte man diesen Draht vergraben in alle Richtungen, aber wenn der Ziel ist, die Magnetenergie zu nutzen, dann ist es wichtig, nochmal diese non. Richtung nord-süd ouais. zu nutzen. Ouais. Mais si c'est comme... ouais. Si c'est comme cette antenne-là où il n'y a pas le nord-sud, alors là, on peut mettre dans toutes les directions. Also, zum Beispiel, die andere Antenne, da gibt es keine Nord-Süd-Richtung, also ist keine extra Antenne dazu. Deswegen könnte der Draht in alle Richtungen gelegt werden. Ja. Ouais. Donc là, on voit, j'ai mis une tige, hein, donc un connecteur. Donc, ça, c'est facile, le connecteur WAGO, comme ça. C'est facile. Hop. Donc je l'ai simplement planté dans la terre. Hein. Il vaut mieux que ce soit planté dans la terre humide. Si maintenant c'est l'été, il fait sec, c'est bien que ce soit assez profond, que ce soit en contact avec l'humidité. Also hier jetzt zum den blauen Draht zu verbinden, hat so einen Connector genutzt und das wirklich in der Erde Kontakt zu haben, das ist wichtig, dass es etwas Feuchtigkeit ist. Und zum Beispiel im Sommer, wenn es dann trockener wird, dann desto mehr wichtiger, dass es etwas in der Tiefe ist. Also wenn es wirklich in der Oberfläche bleibt, dann ist zu trocken. On peut aussi connecter au socle. Alors ça va aussi aller dans la terre. Hein, donc le fil. Parce que là, le mât, il est pas conducteur. C'est pas comme le fer à béton, alors il faut mettre un fil. Also hier könnte man zum Beispiel auch mit der Basis aus Metall hier verbinden, weil das würde genau das gleich wirken, aber ja, hier ist die Struktur nicht metallisch und deswegen ist dieses Draht, Blaudraht, extra drauf. Ah ja, stimmt. Voilà. Das ist cool. Vous pouvez aussi mettre ça dans l'arrosoir, hein, ou une réserve d'eau. Ça va stimuler l'eau aussi, ça va énergétiser l'eau. Also hier könnte man zum Beispiel diese Draht hier ins Gießwasser für die Pflanzen machen, sodass das Wasser dynamisiert wird. Mm. Ja. Encore. Si on met une spirale ou bien quelque chose, ou bien une rasoir. Ouais, ça va encore autre chose, on va en parler de ça. Donc, les antennes en fer à béton, c'est le moins cher. Après, si on veut aller plus haut, alors les cannes télescopiques,
comme les cannes à pêche ou les cannes télescopiques en fibre de verre ou en carbone sont très pratiques aujourd'hui. Ça n'existait pas il y a un siècle, mais aujourd'hui, ça existe. Also die günstigste Methode wäre, dass diese Antenne aus Metall, Baumetall zu nutzen. Aber heute haben wir diese Möglichkeit, diese, wie heißt das? Angelruder. Ja, diese teleskopische Angelruder. Ah ja, zum Angeln, ja. Also das Armierungseisen ist dann nicht mehr so stabil. Bei 7 Meter. Wackelt mehr, quand ja. Wie fair kommt ça? Ja. Ah, ça, maximum 4 Meter. Ja, maximum 4. Ich fais ça pour les oiseaux. Ouais. Ça tombe. Also, die Methode hier, höchstens 4 Meter. So, et ça, si on plante dans la terre, maximum 3 Meter. Si on plante avec ça, on peut aller à 4 Meter. Parce que ça, ça va rester bien stable, même s'il y a beaucoup de vent. Hier so einfach gebaut wie das, einfach nur in der Erde gesteckt, höchstens wäre 3 Meter, aber mit einer sichereren Basis wie das andere zum Beispiel bis 4 Meter, aber bei großem Wind sonst ist es zu viel. Voilà. Das muss jetzt das Netz. So klar. Das sah von unten aus wie so ein... Achso. Oui, j'ai juste... Ça c'est 100% cuivre. Das ist nur Kupfer. La copper, hein, copper. Ici j'ai rajouté une spirale. Et donc là, simplement avec une rondelle, j'ai fixé le fil pour faire une connexion électrique. Und da hat alles nur einfach zusammen verbindet, so dass es elektrisch eine Verbindung ist. Donc c'est tout simple. Hein. Also ganz einfach zu machen. Hier Kupfer und hier kein Kupfer. Ja, ici il y a du cuivre là et du fer. Les métaux, c'est pas si important que ça. C'est du moment qu'il y a une connexion électrique entre le ciel et la terre. On peut faire en fer, on peut faire en cuivre, on peut faire en aluminium. Ça fonctionne. Also hier in dieser Situation für die Antenne ist das Metall nicht so wichtig. Könnte Kupfer sein oder hier fernsehender Draht. Solange es so eine Konnexion, Verbindung mit la Konnexion elektrik. Ja, Verbindung ist, dann das ist das Wichtigste. On verra pas plus d'effet parce que l'un est en cuivre ou l'un en aluminium ou ça fonctionnera quasiment aussi bien. C'est comme une roue de voiture, qu'elle soit en fer, en aluminium, en cuivre, ça roule. Also grundsätzlich wird keine Unterschied auf die Wirkung, ob es Kupfer oder was ein anderes Metall ist. Hein? J'ai un client, un collaborateur au Bénin, en Afrique. Lui fait tout en aluminium et il a de très beaux résultats. Also kennt jemand, der in Afrika das macht und alles nur aus Aluminium und das funktioniert. Mhm. Voilà. Das ist jetzt eigentlich eine Angel, oder wie? Ja. Que j'ai modifié, hein? Parce que pour être... Die gibt es billig in Frankreich zu kaufen, Stippangeln. Da ist auch keine Rolle dabei und keine Dinger dran seitlich, sondern nur vorne dann ein kleiner Haken, wo du dann deine Angelschnur einhaken kannst. Donc, die hat er weggeschnitten einfach und hat dann das draufgesetzt. Donc l'avantage, c'est que c'est très léger, souple et même en cas de tempête, ça bouge pas beaucoup. Hein, der Vorteil hier ist, dass es sehr leicht ist und dass es dich bewegen kann, aber auch beim großen Gewitter dann passiert auch nicht viel. Au début du siècle, ils utilisaient des poteaux téléphoniques, donc ça devait être bien ancré dans la terre, c'était très cher et c'était tout un travail pour installer. Que maintenant, avec les cannes télescopiques, c'est beaucoup moins cher et c'est en 5 minutes on a installé une antenne. Also am Anfang vom Jahrhundert haben sie das mit Struktur von Telefondrähte oder Telefonmasten. Aber das war viel mehr Arbeit, um das aufzubauen und hat auch viel
viel mehr gekostet als einfach diese Möglichkeit jetzt. Donc, ist die Wirkung höher, wenn ich den 10 Meter hoch mache? Ja, ja. Oui, ça existe en 10 mètres aussi. Est-ce que l'effet sera plus grand? Ah oui, oui, oui. Wenn es, ja, wenn es 10, also ja, besser. Je höher, mais, ist besser. Okay, gut. Ja. Mais au sud, de, au niveau prix, au niveau prix, ce qu'il y a quand on fait 10 mètres là-haut, mais moi j'enlève les derniers bouts parce qu'ils sont trop fins là-haut. J'enlève les derniers mètres parce que c'est trop fin pour mettre l'antenne dessus. Also wenn er du eine zum Beispiel 10 Meter lang nimmst, dann würde er empfehlen, die letzte Meter oder so abzuschneiden, weil das ist wie zu vom Angeln. Weil das ist zu dünn. Das ist zu dünn und dann kannst du darauf keine Antenne aufbauen. Wieso? Ich nehme 100 Rohr. Ja, ja, dann ist gut. Ja, ja, das ist gut. Und bei 10 Meter hoch, die noch länger machen oben? Ja, you can. Aber ist 3. Si on veut, souvent, si on veut faire avec des cannes télescopiques, en dessous de 7 mètres, ça coûte pas très cher. Mais dès qu'on veut plus long, ça triple, quintuple le prix. C'est tout de suite beaucoup plus cher. Also mit dieser Angel, le pôle, le mast. So, aber bis 7 Meter kostet, der Preis ist ganz okay, aber dann steigt es sehr schnell, wenn on es peut, dann höher ist. Si on achète 5-6 mètres, ça va coûter genre 20, 30, 50 euros. Also 5 oder 6 Meter lang, kostet vielleicht bis 50, da die Qualifikation. Ouais, jusqu'à 50 euros. Si on va plus haut, c'est des centaines d'euros. Aber dann mehr als 6, 7, dann. Ouais, c'est 200, 300, 500 euros. 500 euros. Das Problem ist nur das Fundament. Ich sehe hier ein neues Modell, qui est plus fin. Ça c'est en naja, du musst Carbon. Bolo. Betonieren. Ça c'est fibre de verre. Et ça c'est en Carbon. Also ein anderes ressemble, hein. Modell, so ähnlich, aber aus Carbon. Dieses Mal. Ja. Ah, mais c'est plus fin. Mm-hmm. Ja. C'est plus cher. Donc ça prend encore moins. Ouais, c'est plus cher. Mm-hmm. Okay. C'est deux fois plus cher. Yeah. Ah. Kostet doppelt so viel. Ah, mais après. Der quand, yeah. Ouais, mais quand on double, quand on va doubler la croissance de ces légumes en très peu de temps, c'est remboursé. Ah, je veux dire, c'est pas le prix n'est pas. Je veux dire, quand on achète des bonnes chaussures, on en a pour 100 euros. On peut aussi acheter des bonnes antennes et après on a des bonnes pommes de terre et des belles rhubarbes, et des bons légumes. Et pour plusieurs années, donc c'est le prix, c'est pas un gros investissement. Hein, also finalement. Der Preis bedeutet vielleicht auch nicht so viel, wenn man denkt, dass danach die Ernte verdoppelt sein kann und, genau. Und das über Jahre. Ja, ja, also ja, das ja, ist ja, sehr schnell wieder. Amortisiert, genau. Ja. Ja, ja. Au début, on expérimente souvent avec les matériaux du bord, comme un fer à béton et tout, mais après. On veut, voilà, après on améliore, mais on voit qu'avec très peu d'argent ou juste du recyclage, on peut déjà faire beaucoup de choses. Hein? Meistens ist es so, dass wir damit anfangen, mit ganz einfaches Material, so Recycling Sachen, aber dann geht auch schnell, dass wir vielleicht verbessern wollen und etwas investieren, aber dann ist trotzdem sehr aus ganz einfache Sachen kann man sehr viel On peut prendre un bambou comme là. Ein Bambou hier ist auch et alors mettre un fil et ça va très bien aussi. Und ein Draht herum bauen und das ist. Et on peut avoir des longs bambous, c'est flexible, c'est solide. C'est idéal les bambous. Ja, idéal. Donc ah oui, si maintenant on voudrait faire par exemple tout le jardin comme ça. Alors moi j'en mettrais comme ça deux ou trois
par exemple ici, ça pourrait couvrir tout le jardin. Also, une antenne haute comme ça. Für diesen Garten, wenn wir mit dieser Antenne arbeiten wollten, dann wäre die Idee vielleicht 3 von die große hier zu nutzen für diese Fläche. Et après là, vous voyez, là il y a un fil. Vous voyez, ça c'est le téléphone. Also, das ist si. Vom Telefon. Si. Ouais, ça c'est une betterave rouge qui a un peu pourri, mais cool. Mais vous voyez, grosse, hein. Yeah. Et donc on ne met pas l'antenne en dessous, sinon ça ne va pas fonctionner. Also hier ist wichtig, die Antenne nicht direkt unter dem Telefondraht zu stellen, sonst funktioniert donc, das nicht. Donc je l'ai mis un peu plus loin. Alors là, ça fonctionne. Yeah. Dafür si, Abstand halten. Oui, au-dessus, ça va. Mm-hmm. Okay. Si ça dépasse, c'est bon. Et puis, comment c'est avec l'électricité? Il faut faire attention. Hein, ah oui, s'il y a un fil électrique comme là-bas, il ne faut rien mettre en dessous non plus, c'est dangereux. Also, die Funken können springen. Ja, ja, wenn wir eine Elektroleitung haben. Ja, das ist verdammt gefährlich. Ouais, ouais, alors il faut du pas bombe, mettre. Dann bist du tot. Donc, attends, ja, ja, ja. Das springt. Ja. Right. Par si. Rapport au fil du téléphone, on peut la faire dépasser, oui. C'est oui, ça? Oui, oui. Si c'est un fil téléphone, il n'y a pas de risque. Mit dem Telefondraht, dann kann es höher sein, nah sein, aber höher, dann würde es funktionieren, aber für Strom, dann auf keinen Fall. Ouais. Mm-hmm. Si, donc les lignes à haute tension comme là-bas, ouais, là c'est interdit de mettre une antenne en dessous. Ja, ja, so normal c'est Strom Leinen, dann ist ja gar nicht gut, das unten zu machen. Il faut garder alors la distance égale à la hauteur environ Abstand, du poteau. Abstand zu behalten ist dann die Höhe von dieser Struktur zu halten. Ja. Si on veut traiter un hectare, par exemple avec des antennes de 5-6 mètres de haut, j'en mettrais entre 10 et 20. Also für ein Hektar mit Antennen zwischen 5 oder 10 Meter hoch, dann würde, t'as dit combien? Non, ouais, 5 à 6 mètres, j'en mettrais 10 à 20 à l'hectare. Antennen zwischen 5 und 6 Meter hoch, dann würde davon 10, zwischen 10 und 20 pro ouais. C'est seulement dans la terre, hein? Pas de fil de fer. Oui, oui, ouais, alors ça, voilà, juste comme ça dans la terre, ouais, ouais. Außen, un peu éparpillé sur tout l'hectare, tous les 20 mètres. Par exemple, tous les 20 mètres. Zum Beispiel, jede 20 Meter ok. Mais voilà, si c'est des fers à béton, ça coûte pas cher, ça vaut vraiment la peine, mais peu d'agriculteurs le font. Ah, j'en connais même pas qui le font d'ailleurs, parce qu'ils osent pas, parce qu'ils veulent pas se faire remarquer. Hein. Ja, sehr wenige machen das, weil die einfach das nicht wollen, dass es auffällt und so. Ouais. Mm-hmm. Mais en viticulture, il y en a déjà qui ont fait, et les antennes magnétiques, comme c'est plus discret, il y en a aussi plus qui le font. Winzer gibt es schon mehr, die das schon machen und generell so die Magnetantennen, das ist auch viel mehr, fällt viel mehr weniger auf und da machen auch schon mehr. Ouais, et les tours rondes aussi, il y en a aussi qui le font. Ouais. Die Türme gibt es auch Leute, die das schon machen. Donc je vais encore montrer.